Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Open Rail, nouvel épisode en multijoueur avec Max, Aziroxy, Miku et puis tous les autres que j'oublie là sur le moment mais ils vont se présenter juste après. Nous sommes sur la map PLM Nord, c'est-à-dire Dijon-Lyon et nous allons assurer un train TER, le TER 17603. Au départ de Dijon-Villers à destination de Lyon-Part-Dieu, avec cette rame Corail réversible, nous avons une BB7200 en tête et une B5 Dux, une voiture pilote en queue, je crois qu'on a 9 voitures. Alors la voiture pilote, elle ne servira pas a priori sur cet itinéraire-là, mais on l'a quand même. Et la locomotive, c'est un repaint de Yo-Yo, couleur du TER Bourgogne, et la locomotive de base, c'est celle du pack Xilium. Voici donc l'intérieur de la 7200. Sinon, envoie-moi ton log comme la dernière fois. Donc c'est les 7200 du pack Xilium. Alors on a des erreurs, on a pas mal de défauts. Vous voyez la lampe de enfin la boîte à pictogrammes pardon avec les différentes lampes allumées. Bon ça c'est un petit souci de compatibilité du pack Xilium avec OpenRail, mais sinon ça fonctionne relativement bien. Donc voilà un petit peu l'intérieur de la cabine. Alors c'est la cabine d'origine. Je sais qu'il y a des modifs qui existent, notamment pour remplacer le compteur par le compteur digital et remplacer la fiche train par la tablette. Mais moi je l'ai pas modifié. Et avec un peu de chance, on devrait partir d'ici quelques instants. Alors je précise que Max, au moment où j'enregistre, est en live sur sa chaîne et il y aura la rediffusion, je pense, c'est même sûr, il y aura la rediffusion sur sa chaîne. Je mettrai le lien, bien entendu, vers sa vidéo. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le repaint de cette locomotive. Repaint fait par Yo-Yo en livrée TER Bourgogne. Je vous montre le repaint comme ça, de trois quarts. Donc repaint de Yo-Yo, locomotive du pack Xilium. À l'origine. Et Aziroxy, j'ai dirigé sur Périgny et ensuite tu prendras Jeuret. Et nous avons ensuite des corails TER Bourgogne. Voici les voitures. Bon, on a mieux comme voiture, mais c'est pas mal. On n'a pas de vue intérieure malheureusement sur celle-ci. Et nous avons tout au bout, nous allons la découvrir, la redécouvrir, la voiture pilote, la B5, qu'on peut contrôler, il n'y a pas de souci. Je ferai peut-être une vidéo, commande de la B5 Dux. Donc voici notre petite rame corail réversible, enfin corail TER réversible. Il y a du son sur les voitures, plutôt sympa. Et voici donc la B5 Dux. Qu'on n'utilisera pas. On l'utiliserait éventuellement dans l'autre sens, depuis Lyon. Donc on fait Dijon, ville, Lyon-Part-Dieu, avec un arrêt à Mâcon, donc qui est le PK439,7. Donc on est à peu près une centaine de kilomètres de Mâcon. Bon, en gros, ça sera à peu près la moitié du trajet, puisqu'il y a à peu près 200 kilomètres. Je sais plus exactement le point kilométrique de Lyon-Part-Dieu. Et logiquement, tu as l'ouverture. Ouais, ça s'est ouvert, donc le départ pour le 17603. Alors, dans le dernier multi avec France Simu, on roulait entre Dijon et Paris sur la partie. Une partie de la ligne PLM, l'artère impériale. Et là, nous allons rouler sur la partie plus au sud, entre Dijon et Lyon. Bah le S, c'est le spécial. Nous voilà, donc du coup, on va découvrir la zone entre Dijon et Lyon que vous n'avez pas découvert, que j'ai pas encore présenté. Que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne. La sortie de Dijon, c'est 60. Nous allons baisser notre second panto, par contre. Voilà. Et donc la sortie de Dijon est à 60.
Par contre, je sais pas si on sort par le bon endroit. Max, tu regarderas que je prends bien le bon itinéraire là, parce que j'ai pris des aiguilles en sortant. Logiquement, je viens de te mettre le bon là, mais ça va bugger. Ah non, attends, c'est pas le bon. Je fais quoi? Non, bah c'est plus loin, l'aiguille qui est pas bonne, donc tu peux continuer. Je continue à. À 60, c'est bon pour toi? Ouais. Bon, on nous a fait passer par un itinéraire un petit peu détourné, je crois, mais c'est pas très grave. Ouais, parfait. Et du coup, je vais dépasser Aziroxy qui est à Périgny, c'est ça? C'est ça, ouais. Je vais pouvoir le voir, du coup, depuis où je passe trop loin. Tu peux le voir, je pense. Ah, ça peut être sympa. Donc, on a Aziroxy qui est devant moi avec un train de fret qui a été garé à Périgny. Ah, t'as Gevrey maintenant, d'accord, ok. Donc Aziroxy qui est à Gevrey avec un train de fret. Donc on va, normalement on va le dépasser, parce qu'il devrait s'arrêter à Gevrey. Nous avons un TIV 80 avec la pancarte Z qui marque le début de la zone à 80, donc c'est lorsque le dernier véhicule aura franchi la pancarte, mais malheureusement on a un ralentissement 30, youpi. Ouais, je t'écoute pour le 17603. Eh ben écoute, j'ai un décontrôle d'aiguille devant toi, donc je vais repasser par, par le faisceau de Périgny, puis je verrai par les voies en dehors du faisceau, mais c'est le faisceau quand même, toi. Je passe par Périgny, je verrai bien reçu pour le 17603. Bon, bah voilà l'explication du ralentissement 30, je pense. Nous allons être déviés par le triage, enfin, par le dépôt de Périgny. C'est bon, l'aiguille a pu tourner, donc tu passes voie principale. Donc j'annule l'itinéraire de déviation et je serai reçu sur voie principale, 17603. Bon bah voilà. Donc finalement on est bon, donc du coup je pense que... Ah bah non, on a quand même du 32. On a quand même une aiguille à 30. Donc on va voir le rappel 30 normalement dans pas longtemps, à moins que il soit annulé, on va voir ça. Donc non, on a bien le rappel 30 ici, donc on va freiner. Donc on va prendre l'aiguille logiquement pour, je pense, repasser sur la voie principale. Ah bah non, mais on passe tout droit. Pourquoi on a un rappel 30 à cet endroit là? Oh, je suis à 40. Bon, le rappel 30 a été un petit peu... disons qu'on l'a pris un peu large, on va dire ça comme ça. De toute façon après on a un 140. Logiquement, voilà, là on est bien à 30. Si tu veux, moi je connais le code Morse. Allez, TIV 140 et pancarte Z, les choses sérieuses vont commencer d'ici quelques instants. Donc normalement à gauche c'est Périgny, si je dis pas de bêtises. Et un peu plus loin, on aura Gevrey avec Aziroxy qui attend notre passage, tout simplement. Hein, on va passer devant lui. Puisque lui, il est autorisé à 100 km/h, logiquement. Avec son train de fret. On va mettre un peu de traction, histoire de bien rester à la vitesse limite, puisqu'on a pris un peu de retard en plus. Donc on va essayer de rouler vraiment aux vitesses limites.
Parce qu'on a quand même pas loin de 200 km à faire. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur sur les points kilométriques, parce que normalement Dijon c'est 323 et là on voit qu'on est 318. Bon, c'est pas très grave. Alors, j'ai dégagé la pancarte 140, mais je suis toujours autorisé à 30. Ça, je pense que c'est un bug de signalisation. Bon, on va voir, ça devrait s'arranger en passant le signal là. Ah, qui c'est qui est parti? Qui c'est qui nous a quitté là, sur le Discord? C'est Max, on démarre le Discord. Ah, ok. Bon, on est toujours. C'est bon, j'ai du son là. Ah, elles sont. J'ai vous, mais j'ai pas open rail. C'est secondaire. Bon, c'est pas grave ça. Bah, pour les gens du live. Vérifie ton mélangeur peut-être, ouais, je sais pas. Ah, il est bon, mon mélangeur, je peux vérifier déjà. C'est. Fais gaffe que tu sois pas en mode stream, peut-être. Bah, non, normalement sur le Discord, c'est bon. C'est pas lui, justement. Non, je l'ai quitté, puis j'ai juste. Je sais pas conduire, je vais juste regarder. Bon, ok. Eh, tu nous préviens quand la. Tu préviens quand la caméra est sur nous qu'on fasse pas de bêtises, tu vois. Non, justement, c'est le but. Hein, bah, je suis enfin autorisé à 160. Je me suis pris un rappel 30 tout à l'heure, je sais pas pourquoi, parce que je suis passé tout droit. Je fais gaffe, moi je me suis arrêté au faisceau, mais j'ai pas livré tout, donc j'y vais pas. Ouais, mais c'est, t'as bien fait, c'est les bugs de Manrax. Ouais, bah écoute, moi je crois que je suis pas encore sur Gevrey, donc je t'ai pas encore dépassé. Qu'est-ce qui n'arrive pas en même temps sur OpenRide? J'ai bien la vraie pour surveiller, mais là je peux pas. Allez, c'est parti! T'as pas dû partir pour ça, je t'ai mis le carré. C'est parti, on est autorisé à 160. On est autorisé à 160 quasiment jusqu'à Lyon, hein, de mémoire. On doit avoir quelques zones à 140, mais rien. Comment? T'es où là? PK 323 là, je devrais pas tarder à te doubler, je pense.
Alors, logiquement, regardez à gauche, c'est Aziroxy. Ah, je te vois, Aziroxy, hein. Je te vois à gauche. Bah, le sifflet fonctionne, hein, c'est déjà ça. Je sais pas si t'as entendu les sifflets. Ouais, ouais, avec c'est ça qui est bien avec cette version-là, c'est qu'on les entend. Avec la version stop, je les entends pas. Donc on vient de passer Gevrey, ce qui était sur notre gauche. Vous avez vu Aziroxy avec sa rame de fret, son train de fret. On disait tout à l'heure de rajouter des problèmes, mais on a déjà assez de problèmes avec la régulation. Ouais, ah bah c'est comme en vrai. Hein. Non mais c'est RP, hein, c'est comme pour de vrai en fait. Hein. Tu vas voir, on a une sous-station qui va nous lâcher. Il y a un secours infra prévu quelque part, au cas où. Ah, je peux imaginer le pied au pire, ouais, c'est faisable. pire. Ah, c'est pas toi qui me disais qu'il y avait 68 000 Ah oui, une personne les a prises finalement. Ouais. Toi, tu les avais déjà hein, sur la LGE, je crois, la dernière fois. On est tout simplement sur la ligne dite de l'artère impériale, hein, la Paris-Marseille. La Paris-Marseille, donc, qui est également connue sous ligne de l'impériale. Enfin, ligne impériale, pardon. Artère impériale, ligne PLM également. Alors, vous en aviez vu une partie hein, sur la ligne du Grand Est entre Dijon et Paris, puisqu'on roulait une partie du trajet, se faisait sur la voie classique. Mais seulement une partie, alors que là on est vraiment sur l'artère impériale jusqu'à Lyon. Ouais, je vais regarder ça, ouais. Et potentiellement, on pourrait aller jusqu'à Marseille, hein, puisque la map est également modélisée. Ah, le son est pas... Ah d'accord, le son il est que sur la B5. Il est que sur la B5 le son des voitures, y'a pas... Ouais, j'ai les pantos qui se lèvent, je pensais pas que ça allait faire ça, parce que j'ai plus les machines, mais y'a pas de pantos, mais j'ai pas qu'ils se lèvent, mais pas très bien. Bon, malheureusement, Max a quelques soucis. Alors, si je me trompe pas, l'artère impériale a été ouverte entre 1848 et 1855, je crois, ou 1860 par là. Donc, première ouverture jusqu'à Dijon, Lyon, puis ensuite Marseille. Et l'électrification s'est faite dans les années 50. Électrification du coup en 1500 volts continue, qui est toujours, toujours en vigueur bien sûr. Les régulateurs pour 740-230, ce que tu reçois. Oui. Eh bien écoute, tu seras arrêté à Saint-Germain-Mont-d'Or et pour laisser passer un TER devant toi. Donc là, la régulation, elle est un petit peu compliquée parce que on a des trains de différentes catégories. On a du passager, on a du fret. Donc le fret, dans le meilleur des cas, il est autorisé à 120 km/h. Dans le meilleur des cas, hein, sinon c'est 100. Les voyageurs autour de 160, 140, 160 km/h. Enfin, c'est plutôt 160 d'ailleurs sur cette zone-là.
Et du coup, eh bien, il faut garer les trains de marchandises pour pouvoir faire passer les voyageurs qui sont derrière. Donc, au niveau aiguillage, ça ne doit pas être le plus embêtant, à part à Dijon et à Lyon, ça doit y avoir pas mal d'aiguilles. Mais ensuite, vous voyez, bon, on a simplement deux voies, avec quelques communications, voie une, voie deux, par-ci, par-là. Mais c'est surtout au niveau, voilà, bien faire les dépassements, voilà, parce que les trains lents qui sont devant, eh bien, nous, il faut qu'on puisse les doubler. Donc là, le régulateur, le travail est un petit peu délicat, je pense, pour lui, à ce niveau-là, pour pouvoir faire les dépassements des trains rapides qui rattrapent les trains de marchandises, tout simplement. Et alors oui, on est en double voie simplement ici, donc vous voyez que ça diffère un petit peu de la partie Dijon-Paris. La partie entre Dijon et Paris, dans la très grande majorité, est à quatre voies, ce qui permet justement d'avoir des trains rapides aux extrémités et au centre d'avoir deux voies pour les trains lents, notamment pour les voies de marchandises, pour les trains de marchandises, pardon. Donc c'est beaucoup plus facile, il suffit de faire circuler les trains rapides sur une voie et les trains lents sur une autre. Là, ici, c'est pas possible puisque au-delà de Dijon, on n'a plus vraiment, je crois qu'on n'a plus de configuration à quatre voies, hein, même alors peut-être un peu sur Lyon, mais je crois que c'est tout. Mais sinon, voilà, c'est pas comme Paris-Dijon où quasiment l'intégralité du parcours est à quatre voies, à part l'arrivée sur Dijon. On va mettre la traction à zéro parce qu'on a apparemment du 120 pas loin. Donc oui, la BB 7200, bah c'est une locomotive du milieu des années 70. Je crois qu'il y a d'abord eu la BB 15000, donc qui est à peu près la même mais en courant alternatif. Et la BB 15000 a été la Le première. 740, 230 sur toute ruse a passé à continuer. Donc la BB 15000 a été la première locomotive à électronique de puissance. Donc on ne passe plus d'écran de traction, on ne passe plus d'écran de chantage, on ne change plus de couplage, tout est géré électroniquement. Donc ça a été la BB 15000 qui a été la première. Ensuite a suivi la 7200, donc qui est à peu près la même que la 15000, mais pour le coup en continu. Et ensuite, nous avons eu la BB 22200, qui est une locomotive similaire, mais en bicourant. L'OpenRail Activity Runner qui cesse de fonctionner, c'est quoi ça?
Après, je l'ai tout désinstallé et puis je peux installer. C'est assez galère quand même. Non, mais ça va, l'installer, j'arrive. Pas de soucis. Pour le temps, à débugger, on va dire. Qui c'est qui fait Lyon, Lyon-Dijon du coup? Personne, c'était censé être moi. Il y avait que toi? Ah, il y avait que toi et Max. Donc là. Il y a moi aussi, mais là, je laisse passer spécial. Ah, bah donc il n'y a pas personne. Toi, tu fais bien Lyon-Dijon, toi. Moi? Ouais. Mais je fais tous les arrêts. Donc on va se croiser, c'était, pour... c'était juste pour savoir. Oui, oui. Ok. Spécial, je pense. Oui, il y a le spécial aussi, je crois, ouais. Et du coup, il y a que Aziroxy et moi dans le sens Dijon-Lyon. Oui. Ok. Bon, alors. On, un peu. On va donc croiser quand même quelques trains. Alors, malheureusement, du coup, on croisera pas Max avec sa composition de fret, malheureusement. De toute façon, il est un spectateur là. Ces derniers temps, mais du coup là il peut plus rejoindre le serveur, donc malheureusement on croisera pas Max avec sa rame fret, mais bon, on croisera d'autres trains, notamment Miku, il me semble, en espérant qu'on fera que le croiser. On le croisera sur la bonne voie, mais bon, avec un peu de chance ça devrait aller. Ok, on a la pancarte R. La pancarte R qui nous autorise à reprendre notre vitesse précédente, à savoir 160 km/h. Et toi tu desserres, contrôle M et après tu fais shift pour l'exploration. Tu sautes du TCS. C'est ça normalement, c'est pas trop. C'est ça. Ouais. Allez, on autorise à nouveau à 160. On approche de Mâcon, on est à peu près à 5 km, on va commencer je pense à ralentir gentiment. On va même ralentir plus que gentiment, puisqu'on va avoir un 80 là-bas au bout. Alors, est-ce que le rhéostatique fonctionne bien? Bon, il est un peu timide. Bon, je vais freiner au pneumatique.
J'arrive sur Macron. J'arrive également sur Macron. Quoi ? J'arrive sur Macron également, je suis en train de ralentir. Par contre, je sais pas trop ce que ça donne au niveau de l'itinéraire là. Ça m'a l'air spécial, je suis en train de regarder. Ouais. Par où tu vas me faire passer ? Au pire, il va prendre les aiguilles à gauche là. Non, c'est bon. Non, écoute, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On dirait, mais après, moi je pensais que j'arrive plus à gérer sur les aiguilles depuis comme il me les a laissées là, que c'est là. Non, mais ça a l'air d'être pas trop mal en fait. Je suis en train de m'arrêter gentiment. T'as quel PK là ? T'es en train de rentrer sur Macon ou t'es encore loin ? Là, je suis dans Macon. Je suis d'accord. Juste à la sortie de la gare. Ok. Je pourrais pas vous changer l'itinéraire là. Non, bah, a priori, c'est tracé. Bah écoute, pour moi, a priori, c'est tracé devant, donc moi ça va. Ah ouais, je te vois. Oh, c'est quoi ce compo ? Les CC 72 000 et CC 67 000 capital. Ah bah non, c'est bon. Ah bah non, mais en fait... Ah ouais, mais c'est une compo. Ah mais c'est toi le spécial. Ah mais c'est pour ça, là. Je voyais une drôle de compo, mais non, mais c'est bon. Vas-y, Rexy, il est où ? Ok. C'était pour l'exposition à la gare de Lyon. Ah oui, d'accord. Ah oui, train capital. D'accord. Départ pour moi, hein. Départ de Macron. Vas-y. Ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas d'aiguille pendant bien longtemps. Ouais, j'en ai pas vu beaucoup en venant de Dijon. Hein. Il n'y a pas beaucoup de communication voie 1, voie 2. Il y en a quelques-unes par-ci par-là, mais. Je stoppe mon train et puis je découvre. Ouais, voilà. Faut qu'il te remove le dispatcher, sinon ça va foutre un bazar. En fait, faut pas que tu te déco parce que sinon ça. Le train va rester, enfin il y a un risque. Après, il va peut-être en trouver une aiguille, mais c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup hein, sur le chemin. Hein. Le problème, c'est que je peux pas agir sur les aiguilles, je suis complètement bloqué moi. T'arrives plus du tout. Il m'a laissé la session buggée. C'est sympa. Et pourtant, toi, t'es dispatcher en plus, t'es pas helper. Ouais, je suis dispatcher, mais vu que j'ai récupéré le dispatch de sa session buggée. Ah d'accord, ok. Ça sera pas du tout aimé, moi, je dirais. Ben écoute, moi je touche du bois pour l'instant, a priori, il m'a tracé correctement, donc moi, normalement, jusqu'à Lyon, ça devrait rouler. Ouais. Bon, je suis arrêté, moi. Je déconnecte. Tu te déconnectes ? Ouais. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Plus tard. Mais vous tapez quoi Windows 10 les fichiers. Tu peux continuer à avancer si tu veux. Vas-y, Rod.
veux continuer à avancer, il n'y a plus Azurex sur la voie. Après c'est vide, donc je sais pas. Par contre j'espère que tu seras bien aiguillé pour aller vers Lyon. Enfin, tu vas Lyon par Dieu ou Lyon Perrache? Normalement c'est par Dieu, mais bon si c'est Perrache c'est pas grave. Écoute, pour l'instant je suis toujours au bon endroit, donc ça va. Ah alors ça. C'est quoi tes voitures? Ah oui c'est RIB, RIO. RIO ouais, ok. Et tu peux utiliser la voiture pilote ou c'est que la version wagon? Celle-là si je choisis. Là je peux pas changer. Celle-là c'est uniquement machine en tête, ouais voilà. Je crois bien. Attends, je vais essayer quand je suis arrêté. Non mais bah, fais pas planter la session non plus, c'était juste une question comme ça. Hein. Je les ai pas testés donc. Je sais que tu peux y être dedans en 3D. Ah, en vue passager, ouais, en vue 5. Ouais, voilà. Bon, c'est déjà pas mal si tu veux refouler un truc comme ça. Ouais, si tu veux voir où tu vas, mais du coup, t'as pas d'instrument, t'as pas de cabine. Mais bon, au moins, tu peux voir, tu vois ce que tu fais, quoi. Bon, on vient de croiser donc une couche, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui va donc bientôt arriver sur Mâcon. Et nous, notre prochain arrêt, ça sera également notre terminus, Lyon-Part-Dieu. TIV 120, parfait. Et nous sommes à nouveau autorisés à 160. Bon, feu jaune clignotant. Et avertissement, donc le feu jaune clignotant bah, nous informe quand la distance entre l'avertissement et le carré est une distance réduite. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Donc devant on a des sémaphores. Bon, je sais pas comment ça va se passer là. On va voir ça avec les régulations après.
Alors, on devrait pouvoir ralentir à 120 sans donner de coup de frein normalement. Normalement, j'ai suffisamment anticipé, donc bah, on va voir. On va arriver au PK500, donc on commence à s'approcher de Lyon. Comment ? Là où il faut. Pourquoi je vais où là ? À PRH. Bah c'est pas grave hein. PRH ou Pardieu, je m'en fous hein. C'est pareil hein. Tu verras Max. Ouais bah c'est pas grave. Du moment que ça qu'on arrive à Lyon, ça va, PRH ou Pardieu. Puis ils prendront le tramway hein, pour y aller. Ah d'accord, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est juste à côté, tu vois, là, tu peux voir, t'as les deux caravelles là, à côté. Ah oui, on les voit. Oui, oui, je les vois à droite, là. Je les vois là-bas. Ah bah, elles sont un peu cachées, maintenant. Voilà, je vais essayer de les montrer. Là-bas, au fond, voilà, au fond à gauche de l'image. Bon, j'ai un peu loupé le plan, je les ai vus au dernier moment. Oh, j'ai oublié de baisser mon panto. Ça fait depuis que je suis reparti avec les sémaphores, j'avais pensé à le monter mais pas à le redescendre. Et donc nous allons arriver finalement à Lyon PRH et pas à Lyon Pardieu comme c'était initialement prévu puisqu'on a un aiguillage qui a sauté mais c'est pas grave. Ouais, on aura quand même réussi. C'est ce que j'étais en train d'expliquer que je vais rester en émission sur le Discord, c'est pas grave. Que finalement on arrive quand même à. Bon, on arrive à PRH, mais parce qu'il y a une aiguille qui a sauté, mais on arrive quand même à Lyon. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, c'est. En fait, ouais, voilà, à cause des travaux de dernière minute. Ouais. Mais en fait, c'est le. C'est l'espèce de triangle à Lyon, là, ça a pété. Ouais, c'est ça. Ah, parce que je les ai vus, les voies, c'est les voies qui partaient à gauche. Ouais. Ok. Bah, ouais, finalement, je suis fait tout droit et je suis même en IPCS, là, donc. Il y a des. Il y a des gros travaux, je crois, sur l'autre voie. Il y a des travaux un peu partout. Ouais. Tous en même temps, tout pareil, ouais, c'est ça. Là, t'arrives en... Je sors du tunnel. Tu devrais voir le reste de Matt. On va ouvrir les yeux, ouais. Je sais pas où il est exactement, mais... Il est en gare. Ah oui, on le voit. Effectivement, on voit le train de Max sur notre gauche. Pour terminer, tu vois, c'est bien. Ouais, ça fait un dernier croisement. C'est tout prévu. Par contre, il faut qu'on freine. Mais ouais, tout était fait exprès. Regarde, j'arrive juste à côté de Max. Et voilà. Au moins, il aurait une apparence. Par contre, attends, j'ai foiré mon arrêt, faut que j'aille en bout de quai quand même. Vas-y, avance. Je me suis quasiment arrêté, mais on va reprendre un peu la traction. Par contre, un train de fret arrêté à PH. Comment il est immense son train. Remarque, moi j'ai fait un train un peu comme ça avec des portes-containers 780 mètres de long. Bon, ben voilà, ça va être la fin de la vidéo. Du coup, je sais pas hein, si tu veux dire quelque chose. Vas-y, hein, j'enregistre toujours. Bon, j'ai pas grand chose à proposer là, mais... Le mot de la fin de cette magnifique, de ce magnifique trajet Dijon-Lyon. Bon, malheureusement, Max, sa 26 000, elle est en panne, on va dire ça comme ça. Quoi. Ouais, voilà, on va sortir ça. Suite à des problèmes techniques. Allez, je fais l'arrêt. Hop. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes à la fois sur OpenRail en multi, sur OpenRail en solo également. Il y a du contenu qui va arriver. Et également sur Train Simulator 2018. Ciao tout le monde.